les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la lecture de janvier. Et oui, là, quand je tourne cette vidéo, on est le 2 novembre, clairement. Et je vous présente déjà la lecture de janvier pour le club. Je vous remercie toutes et tous pour la participation que vous faites à chaque fois, que ce soit pour les lives ou pour le club lecture. Ça me fait chaud au cœur, je suis hyper contente que vous participiez et que vous aimiez ce concept. Moi j'adore et je suis très très heureuse de vous présenter la toute nouvelle lecture de ce début 2021 pour le coup, même si on est toujours en 2020 au moment où je tourne cette vidéo. Et oui, je vais m'arrêter là hein, pour 2021 pour tourner les lectures du club. C'est juste que bah voilà, je voulais tourner toutes mes vidéos de présentation, de lecture pour jusque début janvier, mais après forcément je me rattraperai en janvier pour celle de février, mars, etc. Donc c'est parti, je vous présente ça, vous êtes prêts? 1, je fais le décompte. 1, 2, 3, non non merde, c'est 4, j'attends que le vent passe et je vous présente, voilà. Et je vous présente ça, c'est parti. Go. Alors la lecture de janvier s'appelle Leaf tome 1 et alors ça s'appelle Leaf tome 1, Leaf et la prophétie, donc c'est écrit par Agnès Massion, c'est ça. Et ici je ne peux toujours pas vous résumer les livres que je vous présente dans cette vidéo de présentation parce que je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Comme d'habitude je découvre ça en même temps que vous. Sachez juste que c'est un livre qui parle, du moins, dont l'un des sujets est la mythologie nordique. Alors ça tombe bien parce que j'adore la mythologie, surtout grecque j'avoue, mais en vrai j'aime beaucoup aussi la mythologie nordique, même si j'en lis beaucoup 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 moins. Donc voilà, apparemment on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Leif et qui va nous raconter un peu son aventure dans la mythologie nordique. Je n'en sais vraiment pas plus, j'ai hâte de vous le présenter. C'est un livre qui fait 230 pages, un peu plus de 230 pages, donc j'ai hâte de lire ça. J'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, je crois qu'on est tout bon. Surtout, tous les liens sont en barre d'infos pour rejoindre le club, pour acheter le livre si vous voulez. Que ce soit donc en numérique ou en papier, il n'y a pas de problème. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Prenez soin de vous surtout. Et puis à tout bientôt. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année comme cette vidéo sortira fin décembre. Voilà. Bonnes fêtes de fin d'année. Et on est en novembre.